besoin de renfort. Ça, c'est ton problème. Les voilà mes renforts. Salut à tous les amis, très content de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, pour cause, il n'y avait pas grand-chose qui était sorti. Je crois que la dernière vidéo que j'avais faite, ça devait être le Joker ou le Batman 89 de chez Hot Toys, qui n'était déjà pas une nouveauté. Mais là, on va retaper un peu dans le lourd, puisqu'on est reparti pour parler d'Iron Man 3, la marque 17, la Heartbreaker, qui est arrivée un petit peu en avance. Je suis assez content de ça d'ailleurs. Écoutez, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Bonjour à tous, c'est Max. On est parti pour la review. Alors oui, la Heartbreaker, la marque 17. Donc oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu un petit peu en avance. Désolé pour tout le tremblement qu'il y a eu quand j'ai fait le tour, mais bon, je le fais avec mon iPhone 6 Plus, là, parce que c'est en HD, évidemment, c'est un petit peu encore incertain. Bref, donc vous avez vu, c'est déjà une armure qui est bien bien massive. On n'est pas encore dans le Hulkbuster ou comme le Igor qui va sortir dans quelques temps, ni dans le Red Snapper, mais enfin, on est déjà sur une armure un peu singulière. Et à différents niveaux déjà. Alors je rajoute, d'ailleurs c'est vrai, c'est une MMS, ça n'est pas une diecast. Pendant quelques temps on a cru que ça allait être une diecast et puis non. Alors peut-être qu'ils le feront plus tard, ça sera peut-être pas plus mal. Mais enfin elle est déjà bien bien réussie et je vais tout de suite vous faire une caméra embarquée pour montrer une des singularités de cette pièce. C'est que vous voyez, vous allez avoir le light-up, bon bah là devant, jusque là rien d'exceptionnel, je fais un petit zoom. Mais vous l'avez aussi sur les petits côtés, là, vous voyez, à cet endroit-là. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est la première armure qui est un petit peu à part comme ça. Voilà. Donc, on est vraiment sur quelque chose de mouse. Et alors, autre chose, je vais revenir, je vais reposer l'appareil. Un petit zoom, mon garçon, ça sera pas du luxe. Voilà. Ce qui est super aussi, c'est qu'ils ont fait tout un tas d'aménagements au niveau des articulations. Alors vous vous souvenez, le gros problème qu'il y avait eu sur les articulations de la marque 42, je ne parle pas de cet aspect général de la potence, mais c'est vrai qu'il y avait quelques petits problèmes au niveau des fixations. Là, pas du tout. Simplement, il faut remarquer une chose importante, et je vais vous montrer tout de suite, je crois que je vais pouvoir le faire, je vais vous la détacher. Alors, vous n'allez pas pouvoir déplacer. Alors, là, bon, elle est articulée comme d'habitude, il n'y a rien d'exceptionnel au niveau de la tête, tout ça, voilà. Mais pour accentuer bien évidemment les articulations, parce qu'il faut bien reconnaître qu'en général les armures d'Iron Man sont sympas, mais enfin pour leur donner vraiment une position comme on veut, c'est toujours difficile. Et bien là vous allez avoir notamment au niveau des jambes, vous voyez ce petit éclipse là, vous voyez, regardez, hop, voilà, ainsi que ces petits ailerons qui se déplacent. Et ça c'est super parce que du coup on peut vraiment lui faire faire, je vais pas dire encore n'importe quoi, mais enfin lui faire faire tout un tas d'autres positions qu'on ne pouvait pas faire avant avec d'autres pièces. Ça, c'est déjà une première chose qui est vraiment, enfin une première chose, une deuxième chose qui a été aussi très très bien avancée de la part d'Hot Toys. Je dois avouer que c'est vraiment une bonne idée. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais vous parler un petit peu des choses qui blessent. Alors moi, pour moi, il y en a deux. Dont une qui commence franchement à me casser les noix graves. C'est que à chaque fois que vous achetez une armure, quel que soit le modèle, vous n'avez jamais de socle similaire.
ça devient une vraie tannée, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai eu la Earthbreaker, je regardais, moi j'ai la marque Carambeu, la Iron Patriot, qui elles sont similaires parce qu'elles font partie des diecast. J'ai la marque 7, qui elle a un socle tout pourri, noir, tout plat. Et on a ces modèles-là, qui sont, que l'on avait aussi sur la Midas, qu'on aura sur les autres pièces. Alors certes, vous allez avoir le fameux petit truc dynamique derrière, qui n'est pas forcément toujours très facile à installer quand on veut les mettre statiques, mais enfin au moins il est là. Mais alors à part ça, bah voilà le socle que vous avez, et bien évidemment ça commence franchement à me casser les pieds. La deuxième chose, c'est que là, pas de problème, comme pour ceux qui avaient vu la marque 42 d'aimant là au niveau des piles à mettre. Par contre, c'est pas forcément aisé pour non pas placer les piles, mais pour aller chercher l'interrupteur. Pour le plastron, bah, c'est simple, on enlève cette partie-là. Il y a un petit interrupteur, on met les piles là aussi. Idem pour les bras, bon, je ne les ai pas montrés, mais enfin pour les bras, vous voyez, bah, c'est tout bête. Hein. Vous avez un petit interrupteur là, voilà. Ça, c'est tout bête. Par contre, pour la tête, il faut enlever ce système-là et il n'y a pas vraiment d'endroit pour s'agripper, pour le choper. Donc, c'est pas forcément des plus évidents. Ça, c'est la deuxième chose. Il y avait une troisième chose qui me gênait aussi. C'est que j'ai trouvé qu'il y avait extrêmement peu d'accessoires. Alors moi, je suis pas un fan d'avoir des accessoires partout, et je leur mets droit, d'autant plus que bah moi, vous voyez, je les mets souvent en statique comme ça, et d'ailleurs à l'avenir je me ferai un stand général où j'aurai toutes les armures dessus qui seront sûrement statiques. Au début je voulais les mettre en version dynamique, mais non, je pense pas, ça c'est trop casse-pied. Et puis toutes les armures ont pas les mêmes degrés d'orientation pour les articulations, donc c'est un petit peu casse-pied. Mais ce que je veux dire par là, c'est que celle-ci, elle est vendue quand même entre 200, je crois, et 260 €. Je prends un plan large parce que je l'ai eu un peu en avance. Et je sais qu'elle est un petit peu plus chère quand on l'a en avance. Voilà. Mais alors, au niveau des accessoires, c'est super succinct. Et d'ailleurs, pour vous montrer, voir la place que ça prend, vous voyez, je vais faire une petite édition et je vous les montre tout de suite. Voilà. Alors, au cas où vous les verriez pas, ils sont là, les accessoires. Voilà. C'est-à-dire deux paires de mains. Avec bien sûr en plus bon bah, le socle, le stand derrière et puis les mains que vous avez d'origine. Donc voilà, donc c'est quand même franchement pas lourd. On est quasiment au même niveau que le Man of Steel qui était sorti l'année dernière, ou en début d'année, je ne sais plus, où franchement, bon bah, on achète ça quasiment dans les 200 € pour en fin de compte avoir une pauvre clé et deux paires de mains et puis voilà. Donc bon, ça n'enlève rien à la pièce, qui est franchement magnifique. Hein. Vous voyez, je vais vous montrer peut-être un petit détail tout à l'heure, là, en caméra embarquée. Mais non, franchement, il y a quand même un peu de foutage de gueule. Une pièce comme ça ne devrait pas dépasser les 200 €, point barre. Hein. Et encore, 200 €, c'est déjà vraiment un maximum. Voilà. Alors, au niveau des mains, donc vous avez effectivement les doigts là qui sont articulés pour ces mains-là. Moi, c'est toujours celle que je mets, vous voyez. Vous avez ceux qui ne sont pas... alors, je ne sais pas si on voit bien, là. Je vais essayer de me montrer... là, à peu près bien, pour que ce soit à peu près correct. Voilà. Vous voyez, vous savez, vous avez les petits... Vous voyez, c'est un petit peu du plastique mou, donc ça évite de les casser. Voilà, un peu statique. Hein, voilà, on est bien d'accord. Voilà. Et puis ensuite, vous avez bah, les points fermés de base, quoi. Voilà, que l'on a sur quasiment toutes les MMS. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur cette pièce-là au niveau des accessoires. C'est franchement pas lourd. Je vais faire une petite édition. Je vais essayer de vous le montrer dans une autre position, un petit peu plus dynamique. Et je vais vous faire des petits détails quand même derrière pour voir qu'il y a vraiment du bon boulot. Voilà. Donc là, je l'ai mis en version un petit peu plus dynamique. Vous voyez, j'ai eu un mal fou d'ailleurs à le faire tenir debout. C'est pas forcément du plus facile. Mais enfin, voilà. Donc j'ai essayé de faire tourner le stand sans effectivement le faire tomber. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire des petits plans quand même précis. Mais vous voyez qu'il y a quand même du sacré bon boulot. Elle est vraiment massive hein, quand même par rapport aux autres. Enfin, quand je dis massive, on voit qu'il y a vraiment du travail comparé à certaines autres armures d'ailleurs qui sont bon, qui sortent un peu à la caleuleux là, franchement. Et bon, quelquefois, c'est pas forcément du plus réussi. Je parle pas du travail qu'ils font, hein, bien évidemment, c'est toujours excellent, Hot Toys. Mais enfin, c'est vrai que bon, il y a des couleurs qui laissent un peu à désirer. Et comme en plus de ça, ce ne sont pas des armures qui sont principales, c'est-à-dire c'est pas des armures qu'on voit beaucoup, quoi. On voit des fois 2-3 secondes dans Iron Man 3, ça fait cher quand même pour des pièces comme ça. Mais il faut reconnaître qu'une fois qu'on va en avoir, enfin, dès qu'il va y en avoir un bon paquet et que on va pouvoir faire un stand un peu général, ça fera vraiment vraiment super. Donc vous voyez, je vais essayer de m'approcher plus près au niveau du casque, vous voyez par exemple, voilà,
Donc, vous voyez, non, non, c'est franchement vraiment, vraiment joli, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, hein, je pense que bon, c'est nature pointure, hein, comme dirait Mad Dag. C'est pas. Je vais vous la replacer rapidement. J'ai replacé le petit bonhomme comme il était avant. Voilà. Et puis, je crois qu'on va terminer la vidéo là-dessus. Voilà, bah effectivement, hein, comme je l'avais dit, elle va pas être très 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 longue, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Si vous pouvez vous l'offrir, je vous la conseille quand même. Elle est vraiment, enfin moi je la trouve vraiment singulière, vraiment un peu à part cette armure-là. Parce que après, on va tomber sur des armures qui sont quand même assez similaires, en dehors bien sûr de la peinture que l'armure ont, notamment la Python, la Silver Centurion, où il va y avoir un rouge assez dominant. La Python qui va être noire et or, qui ressemble beaucoup beaucoup à Midas. Bon, il y a quelques petites variantes, mais voilà. Celle-ci sort vraiment du lot et je crois qu'il y a effectivement un autre modèle qui va sortir. Je ne sais plus quel nom elle a, mais qui a des couleurs différentes. Je crois qu'il y a les bleus, il me semble. Bleu et or, il me semble que c'est ça. Il est évident que je ne crois pas la prendre, hein, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'exceptionnel sur cette pièce-là, mais je ne crois pas que je ferai l'achat. Donc voilà. Donc moi, mon but, c'est d'acheter effectivement un maximum d'armure. Qui bien évidemment sortiront du lot, enfin seront assez différentes les unes des autres, et puis bien évidemment qui me plaisent. Hein, voilà. Je pense que la prochaine sera la Python, la Silver Centurion, même si c'est pas une de mes préférées. Je dis bien la Silver Centurion, hein, pas la Blue Steel, qui pour le coup, vous voyez, est exactement la même, mais en bleu. Voilà. J'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, pour la review. La Igor, probablement. Éventuellement la Red Snapper, et puis il y aura sûrement la Star Boost qui elle vraiment, alors elle est vraiment carrément atypique, elle a des couleurs qui sont pas utilisées, des formes vraiment à part, et je l'attends aussi avec impatience celle-ci. Voilà, désolé hein, pour ceux qui s'attendaient à une grande review, mais effectivement il n'y a pas grand-chose à dire, j'en avais déjà un peu parlé sur les forums, et puis en plus de ça je suis pas le premier à faire des vidéos sur cette statue-là, sur cette pièce-là, malgré que je sois un des premiers à l'avoir reçue. Voilà, écoutez mes amis. C'est terminé pour cette review, c'est terminé pour la marque Desert Heartbreaker de Iron Man 3 Hot Toys, une MMS, j'insiste bien, pas une diecast. Écoutez, voilà, c'est fini. Portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo.